Le vernissage de l'exposition de Pierre Alechinski a été un véritable succès. L'espace Gilbert-Alauzet de Rieux-Pérou a connu une affluence à la hauteur du travail mené pour ériger cette exposition. Il faut dire que cet artiste est une légende vivante, mais qu'il est aussi et avant tout un enfant du pays, en quelque sorte, puisqu'il a vécu quelques années dans le bourg avec sa famille durant la guerre. Un refuge qu'il n'a pas oublié, puisqu'il a lui-même eu l'idée de cette exposition. Élus et acteurs culturels n'ont pas tari d'éloge, tant sur l'œuvre que sur l'homme. Commencer par une note pessimiste, j'espère que les services de sécurité ne sont pas dans les passages, parce que ça n'a jamais été prévu d'avoir autant de monde ici, sur le centre Alauzet. C'est vraiment extraordinaire, et on vous remercie tous. Bien, officiellement, je suis là pour parler un peu de Pierre Alechinski. C'est difficile. C'est difficile de parler d'un mythe. Aujourd'hui, dans notre 21e siècle, se poser la question, quels seront les grands artistes que l'histoire retiendra? C'est une question quasi insoluble, sauf de vivre des centaines d'années. Bien entendu, on évoquera sans difficulté Picasso. Mais après, au-delà, la question commence à se poser. Et Pierre Alechinski fait partie, vraisemblablement, et même sûrement, des plus grands artistes, je dis bien à l'international. On ne parle même ni plus de la France, pas de la Belgique, vraiment à l'international. Un des rares artistes qui a eu l'honneur de réaliser des travaux magnifiques, de magnifiques plafonds, je cite, au Louvre. Ils ne sont pas nombreux, les artistes qui ont laissé une œuvre pérenne, je dis bien, au Louvre. C'est même plutôt rare. Donc, tout ça pour dire que Pierre Alechinski fait partie des grands, des très, très grands. Depuis sa venue en 2000 à l'école primaire qui porte maintenant son nom, Pierre Alechinski a eu l'amabilité, dans le cadre de plusieurs de ses expositions, d'échanger avec les élèves en toute simplicité, mais avec une grande considération pour les questionnements de chacun. Cette proximité que j'ai le bonheur de vivre au musée d'Aix-en-Provence s'inscrit parfaitement dans l'éveil à la culture que nous privilégions. En fait, depuis 20 ans, de par sa présence directe ou indirecte, de par les diverses œuvres qu'il nous a léguées, Pierre Alechinski est présent dans la vie culturelle de la cité. Son attachement à Rieux-Pérou se concrétise à nouveau dans cette exposition qu'il a quasiment prise en charge, démontrant encore une fois son devoir de mémoire, sa reconnaissance, son respect, sa fraternité, en un mot, son humanisme. Pierre Alechinski est aussi quelqu'un qui a énormément collecté les papiers, également les papiers d'archives, comme si l'idée justement d'avoir vécu cette dure histoire, c'était justement de lui ouvrir un nouveau sens et de créer une autre histoire. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est encore cet homme si humaniste, si engagé dans le fait de continuer et à créer, d'où son absence, mais aussi à participer à des projets comme celui-là, et à montrer et à rappeler combien cet accueil, cette recréation de l'histoire sont importants. Et peut-être que plutôt finir sur cette question du serpent et du cobra, c'est justement finir sur cette idée de cette carte de navigation dont il nous parle. Carte de navigation sur laquelle il a fait de l'encre de Chine, a pour nous inciter aussi à faire ce voyage, mais peut-être à accueillir aussi ceux qui font le voyage malgré eux, quelque part, ou qui n'ont pas choisi, mais où ils sont obligés d'aller. Et la question, c'est aussi de comment accueillir ces voyageurs. Et c'est cette question-là, je pense, qu'il nous pose aujourd'hui en participant à ce projet. Merci beaucoup. Cette exposition, pour moi, fait cette invitation au voyage, cette invitation à l'autre, cette invitation à toutes les cultures, à d'autres, à des façons de faire un peu différentes. C'est un peu l'histoire qu'a vécu Pierre Alechinski qui transpire. En fait, c'est comme ça que je le ressens. Je ne comprends pas grand-chose à la culture, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti ce soir. C'est un immense artiste, largement reconnu à l'international. Et pourtant, il a gardé la trace, vous l'avez aussi largement exprimé, dans des moments extrêmement difficiles de sa vie. Il a gardé aussi le souvenir de l'accueil qu'il avait reçu ici sur le Cigala et en particulier sur Rieux-Pérou. Il vous a fait profiter, il vous fait profiter et j'espère qu'il vous fera profiter encore longtemps aussi de la reconnaissance qu'il a
à travers le monde. Et c'est vrai que je crois que c'est quelque chose dont on a fortement besoin dans notre société actuelle, où Monsieur le maire le disait tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas être forcément toujours trop pessimiste, mais c'est vrai qu'on a une société qui s'est fortement transformée avec un certain nombre de bonnes choses, mais certaines peut-être un petit peu moins. Et que ces valeurs de fidélité, de reconnaissance sont extrêmement importantes, et c'est ce que je ressens moi très fortement aujourd'hui à travers cette exposition. Seul on ne peut pas arriver à faire ce genre de choses avec des gros partenariats avec les abattoirs Musée Frac Occitanie, avec la communauté de communes, avec la municipalité de Rieux-Pérou. Parce que voilà, tout seul on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Mais particulièrement avec Pierre Alechinski qui a conçu cette exposition, tout seul. Autour du voyage, je sais pas si c'est un grand voyageur physiquement, mais je sais que dans l'âme, en tout cas, je le ressens, c'est quelqu'un qui aime les gens qui bougent, qui voyagent, parce que lui-même a été obligé de, très jeune, à 13 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été exilé, a été accueilli à Rieux-Pérou, et j'ose imaginer, j'ose espérer, enfin non, j'imagine que c'est des choses qui marquent un jeune adolescent, d'être accueilli les bras ouverts, et que ça marque une vie. Et dans son travail, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Il a beaucoup, beaucoup travaillé avec tous les auteurs, tous les écrivains qu'il a rencontrés, qu'il a découverts. C'est quelqu'un, c'est un homme du partage, c'est un homme profondément humain. C'est un grand artiste également. Et dans cette exposition, moi, c'est ce qui me touche. Je le disais tout à l'heure, ce qui me touche, c'est ce qu'on peut porter sur les épaules comme ça quand on a 13 ans. Et c'est surtout qu'à l'heure actuelle, on voit les migrants, les réfugiés, les gens qui fuient leur pays, comme des parasites, comme des gens qui vont nous voler notre argent, qui vont nous voler notre travail. Et je suis convaincue au plus profond de moi que non. Ces personnes-là, non seulement elles souffrent, mais elles vont nous apporter quelque chose comme nous, on va leur apporter quelque chose. Et là, ça se retrouve parce que à 13 ans, ses parents, quand ils sont arrivés, ils étaient médecins, ben naturellement, ils ont soigné les gens du village, du bourg. Voilà, ça a été tellement normal. Et 80 ans après, on porte encore cette histoire. Et les enfants qui sont ici, ça va semer des graines obligatoirement, ça va semer ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des yeux. Et acceptons les migrants, acceptons les étrangers, acceptons les gens qui souffrent, acceptons les gens en exil. Parce que c'est des belles histoires. Après l'œuvre de Pierre Alechinski, là on est devant Le Vol Turneau, une magnifique série d'un travail autour d'un livre de Blaise Cendrars, qui pareil traite le thème du voyage. Le livre s'appelle Voyage en Amérique, tiré d'un poème éponyme, Le Vol Turneau. Voilà, c'est toujours dans cette continuité de la mouvance, d'aller voir ailleurs, d'aller voir chez les autres, de voler des idées, mais d'en donner aussi. Cet échange, ça me plaît énormément. Donc une belle œuvre et une belle personne. Exactement. Et c'est un beau cadeau qu'il nous fait, c'est vraiment un beau cadeau. Je pense que les gens sont conscients de ce cadeau, vraiment j'y crois. On va essayer d'être à la hauteur de cette exposition. On organise plein d'activités, plein d'animations tout au long de l'été. Au mois de septembre, ce sera des théos scolaires, c'est-à-dire que les enfants vont venir visiter l'exposition avec un médiateur en art contemporain. Et Morgane Pellissier va venir former les bénévoles qui vont ouvrir l'exposition le dimanche après-midi. Jean-Claude Leroux va faire une partie des visites avec les scolaires, et je suis en train d'essayer de trouver les autres médiateurs pour les collégiens. Voilà, histoire que ça ouvre, ça continue à ouvrir des portes et que cette exposition soit visible. Bon, donc exposition gratuite. Gratuite, entrée libre, ouverte à tous, du mardi au samedi, de 13h à 19h. Le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. Voilà, jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup. Avec plaisir.